embarque aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un nouveau vlog, donc j'ai décidé de vous prendre avec moi pendant 7 à 10 jours, donc je pense que la fin de ce vlog coïncidera avec la fin du mois de mars. Pas de petit challenge ni quoi que ce soit pour cette vidéo, j'ai décidé de faire un vlog cosy où je prends soin de moi, puisque là c'est 7 à 10 jours qui sont extrêmement remplis au niveau du travail, j'ai beaucoup de choses, je ne vais pas m'en plaindre, hein. Je ne vais pas me plaindre d'avoir du travail, mais c'est vrai que c'est très très rempli et du coup j'ai décidé qu'à côté de ce moment quand même plutôt stressant, je vais prendre le temps par-ci par-là de lire des choses qui me font du bien. Donc le seul objectif de cette vidéo, c'était de prendre des petits instants un peu réconfortants, donc il y aura certainement la tasse de thé qu'il y en a plein qui en ont marre de voir, mais moi j'aime bien donc je la laisse. Il y aura certainement des petits instants de douceur qui me plaisent tant, que j'aime en tout cas beaucoup faire et partager. Le petit but quand même de cette vidéo, ce sera de commencer ma lecture de Mrs. Mackenzie de Anthony Trollope, vu que pour le mois de mars il faut lire pour le parcours victorien un roman d'Anthony Trollope. Je n'avais toujours pas commencé, nous sommes le 22 mars, voilà. Donc voilà, seul objectif c'est de commencer ça, a priori fin du vlog, ce serait bien. Sinon, je dois vous parler d'une lecture que j'ai déjà terminée, puisque hier je pense que j'ai fait quelques plans où je vous ai montré ce que je lisais et j'ai terminé un roman. Alors, j'ai terminé Les longs silences de l'atteinte de Virginie Hendrix, qui est une bookstagrammeuse en fait sur... sur Instagram, sans blague. En fait, c'est l'échappée livresque, c'est pas l'envolée, non, c'est l'échappée livresque, qui est une bookstagrammeuse, je pense qu'elle est belge, je pense même qu'elle est liégeoise. Si je ne me trompe pas, je peux me tromper. C'est un livre publié chez les éditions Kiwi, je vous ai déjà parlé de ces éditions quand je vous ai parlé de Né dans un monde qui s'en fout, Né quelque part dans un monde qui s'en fout. Et de retour avec cette maison d'édition, avec ce livre-là qui m'intéressait beaucoup, puisqu'ici on va suivre le parcours de 5 femmes qui vivent une maternité un petit peu différente. Donc on est sur la thématique de la maternité, donc je pense vraiment que c'est un livre, c'est un sujet qui ne vous intéresse pas du tout, passez votre chemin parce qu'on est vraiment là-dedans. 5 profils différents, une jeune femme qui va... Alors qu'est-ce qu'on a encore? Oui, on a une femme qui, qui est enceinte et qui a un accident de voiture. C'est une histoire assez terrible celle-là. On a un couple qui lutte, qui a vraiment du mal à faire un enfant, qui va donc tenter la FIV, donc la fécondation in vitro. On a aussi, je pense, un couple qui ne sait pas avoir d'enfant, qui va tenter l'adoption. Et une dernière, une jeune femme célibataire qui n'a pas envie d'avoir d'enfant mais qui malheureusement se retrouve enceinte alors qu'elle ne fait pas du tout envie. Donc voilà, on a 5 profils différents. Alors on a des profils du coup avec des personnages, je trouve plutôt lambda, je trouve pas qu'il y a des personnages qui se démarquent des autres par rapport à leur personnalité. Je pense pas non plus que c'est ce qui est important dans cette lecture, c'est plutôt les parcours de cette femme. Mais voilà, je voulais quand même vous dire qu'on n'a pas des personnalités, je trouve, très très différentes. C'est des jeunes femmes plutôt anonymes. Une fois n'est pas coutume, je vais commencer plutôt par ce qui m'a moins plu et terminer par ce qui m'a plu. Je sais que c'est pas habituel de faire comme ça, mais j'avais vraiment envie d'abord de ne pas oublier des points pour finir par quelque chose de plutôt positif. Donc on est sur 5 profils de femmes, je vous ai dit, qui... Bah c'est pas... Ce qui est important, c'est vraiment ce qu'elles vont vivre, leur expérience, leur parcours de vie. J'ai regretté en fait justement le manque de diversité de ces personnages. Alors oui, je trouve que ces personnages sont assez interchangeables. Comme je vous l'ai dit, c'est peut-être pas très grave parce que c'était pas le plus important. Mais j'ai quand même regretté parce que du coup j'avais tendance à les confondre. Et je vous avoue que je termine ma lecture, il n'y a qu'un seul prénom que j'ai retenu. C'est le prénom de la première héroïne qui s'appelle Jade. Et allez, peut-être 2. Et les autres, je les confondais toutes parce que... Oui, je n'arrivais pas à retenir et à identifier pour moi telle fille vit telle expérience. Peut-être que s'il n'y en avait eu que 4, ça aurait été peut-être plus facile pour moi de tout retenir. Vous allez me dire, j'ai peut-être une très mauvaise mémoire également, mais c'est vrai que comme il y a 5 personnages, on est sur un livre très court, on les retrouve assez régulièrement, mais peut-être pas assez que pour toutes bien les identifier. Donc moi, il fallait toujours un moment pour me dire « Ah oui, telle personne vit telle chose ». Deuxième chose, les chapitres commençaient toujours avec une petite phrase d'introduction que je trouvais pas forcément utile, surtout qu'elles étaient écrites dans une police que vous allez dire que je chipote, mais
J'ai envie de le dire, voilà. C'est pas très important, mais les introductions, vous savez, les titres des chapitres, ce sont des phrases de gens connus. On a un petit peu de tout comme phrases qui sont en rapport avec ce qui va se passer, c'est quelque chose qui se fait assez souvent. Mais c'est juste la police d'écriture est inaccessible. Je le dis parce que moi, j'avais du mal à lire dans cette police. Je sais pertinemment que c'est pas du tout une police d'écriture accessible pour tout le monde, voilà. Moi-même, qui ai aucun problème de vue à part une myopie, j'avais vraiment du mal à lire ces passages-là. Donc voilà, je trouvais ça dommage. Encore une chose que je regrette, c'est un petit détail, c'est qu'on a beaucoup de personnages qui vivent aux États-Unis. Alors je pense que c'est important, effectivement, pour les questions de juridique au niveau de l'adoption et toutes ces choses-là, mais j'ai trouvé regrettable qu'il y ait autant de personnages qui vivent pas en France en fait ou en Belgique, et c'est vrai qu'il y a des histoires qui ne m'intéressaient pas du tout, des personnages que je n'appréciais pas du tout. Alors je sais qu'on peut pas aimer tout le monde, mais à des histoires j'avais envie de passer beaucoup plus vite, et il y en avait plus qui m'intéressaient pas que d'histoires qui m'intéressaient. Maintenant, passons à ce qui m'a plu. C'est, je pense, si vous cherchez un livre sur la maternité, c'est peut-être le livre qui va présenter le plus de profils. Alors, il n'y a pas encore tous les profils, bien sûr, mais il y aurait des personnages en plus, ce serait encore plus compliqué à suivre, je pense, mais on a quand même plusieurs profils, donc une personne qui perd un enfant, une personne qui fait le choix plus ou moins d'avorter, une personne qui... on parle d'adoption, enfin voilà, il y a plusieurs profils autour de la maternité, et ça je trouve ça intéressant parce que c'est quelque chose que je n'ai pas encore vraiment vu en littérature, et je trouvais ça intéressant. Moi, les histoires qui m'ont le plus touchée, enfin l'histoire qui m'a le plus touchée, c'est celle de Mia. Alors vous voyez, moi je retiens pas les prénoms, hein. C'est terrible, j'ai pas retenu moi les prénoms des personnages. Oui, c'est Mia qui perd son enfant suite à un accident de la route. On va suivre sa culpabilité, on va suivre le long travail de deuil. C'était vraiment bien fait. J'ai bien aimé aussi dans ce livre, on sent l'investissement de l'autrice avec ses recherches qu'elle a pu faire pour parler des différents sujets. Que ce soit d'un point de vue juridique ou que ce soit d'un point de vue médical, hein, c'était bien documenté, c'était accessible aussi parce que j'imagine qu'on a un jargon parfois un peu rébarbatif qu'on ne comprend pas, et ici tout était bien documenté, donc on comprenait. On a un passage, j'ai bien aimé ce passage où une jeune fille subit une intervention, je vous laisse découvrir. C'était intéressant d'avoir son ressenti face à cette intervention, chose que je vois très peu en littérature, donc j'ai bien aimé retrouver certains passages, certains moments de vie de ces jeunes femmes. Maintenant, je pense vraiment que c'est un livre qui peut vous intéresser si vous cherchez un livre sur la maternité. Je sais pas si vous allez forcément vous identifier à un des personnages, mais on a différents profils, c'est intéressant, c'est bien documenté. Moi, c'est pas un livre que je vais retenir longtemps. Je lisais un roman, quoi. Je ne vivais pas pleinement les émotions des personnages, à part peut-être celui de Mia. Mais voilà, donc c'est une lecture pour moi avec plein de bonnes idées, avec un super chouette message, un super chouette sujet abordé de manière assez originale. Mais je pense pas que c'est une lecture que je vais garder longtemps en tête. Au niveau de mes lectures actuellement, je suis dans un chaos livresque. Je suis, vous savez, dans ces moments, je vous en ai déjà beaucoup parlé, où je ne sais pas quoi lire et du coup je commence plein de livres en même temps. C'est un petit peu le cas. J'ai commencé Adrienne Mesura, plutôt, de Julien Green. Je ne sais pas si je vais le continuer. Ça dépend de mon état d'esprit du jour, enfin ça change tout le temps, donc je ne sais pas trop vous dire. Donc la prochaine fois que je suis bien avancée dans une lecture, je viendrai vous en parler, parce que sinon ça ne va pas. Et de la part de Lire Magazine, j'ai reçu ce petit hors-service, qu'est-ce que je raconte, je suis vraiment crevée, hors-série, qui va nous parler des femmes de lettres françaises, Simone de Beauvoir, Colette, Marguerite Duras, Madame de Lafayette, Françoise Sagan, Georges Sand et Marguerite Yourcenar. J'ai pas encore eu l'occasion de vous parler sur YouTube des magazines Lire que j'ai pu recevoir, mais je compte faire une publication Instagram, ça fait 2 mois que je lis ça, hein, j'ai toujours pas fait, une publication Instagram où je viens de vous en parler. J'ai un petit peu découvrir ce qui se passe dans cet album. Voilà, écoutez, je pense que c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Je vous retrouve un peu plus tard pour vous parler des prochaines lectures.
Un petit peu plus tard pour continuer ce vlog et je viens vous parler de certaines petites choses. Vous avez vu lors des derniers plans une ouverture de colis de bijoux, donc je vous en parle vite fait maintenant et après je vous parlerai de mes lectures et je vous avoue que dans mes lectures il y a un gros coup de cœur. Alors je vais vous parler vite fait de ce que j'ai reçu. Je vous en ai déjà pas mal parlé sur la chaîne, mais si vous venez d'arriver, We Are, c'est une boutique en ligne de bijoux que j'ai contactée moi il y a plus d'un an parce que je recherchais des bijoux un petit peu plus originaux. J'avais envie de quelque chose d'un peu qualitatif et d'un petit peu plus original et d'un petit peu plus engagé que d'autres bijoux qu'on trouve un peu partout sur le net. Et donc ils avaient accepté de m'envoyer des bijoux que j'ai pu découvrir et depuis j'en ai acheté plusieurs fois sur leur boutique. Mon compagnon m'en a offert aussi et ils m'en ont renvoyé plusieurs fois. Donc vous avez certainement vu déjà quelques petits plans où je vous en parle. Ce sont des bijoux que je porte régulièrement depuis, bah du coup je sais même pas, je dis un an, mais c'est peut-être 2 ans, enfin voilà, ça fait un moment quand même. Celui-là je le porte par exemple depuis la dernière fois où je vous avais présenté un unboxing. Je pense que je vous avais montré celui-là, je ne l'ai pas enlevé depuis. Pour ceux qui ne le savent pas, je vous dis vite fait, c'est une petite marque française, We Are, enfin petite, elle commence à bien monter, hein, je trouve, qui propose des bijoux faits par des partenaires français et espagnols, et donc ce sont en général des bijoux plaqués or, qui sont vraiment, moi je trouve, de bonne qualité. Les bagues, j'ai eu aucun souci avec, alors que, pour vous dire... J'ai commandé moi à un moment, j'avais acheté pas mal de bijoux chez Louis et tout à l'époque et j'ai 2 bagues qui ont cassé. J'ai jamais eu de problème avec ceux de Who We Are et les bagues Louis et tout ont cassé après quelques mois, hein, donc des bagues très fines. Et donc j'ai l'impression que c'est un petit peu plus qualitatif que ce que faisait cette autre marque. Même si l'autre marque est très jolie hein, en soi, mais bon, j'ai l'impression que c'est un petit peu moins solide. Donc c'est des bijoux que vous pouvez commander partout dans le monde, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et comme d'habitude, j'aime bien signaler que à chaque fois que vous commandez sur la boutique, il y a 50 centimes qui sont reversés à une association de votre choix. Ils proposent plusieurs associations. Alors ici c'est la Ligue contre le cancer, la SPA et l'Envol Vert, mais je crois que ça change de temps en temps. Je sais qu'à un moment il y avait une association autour du Covid. Et comme d'habitude, il y a un petit code promo qui est valable un mois après cette vidéo, donc vous pouvez utiliser ISA15, je vous le mets en barre d'infos. En ce moment ils ont fait une collection un peu années 90 avec, vous savez, ces colliers un peu tressés là qu'on mettait, les colliers noirs. Ils ont fait une version en plaqué or. Alors moi je ne l'ai pas pris parce que je suis pas très fan honnêtement, mais ils ont aussi bah, des petites choses assez original. Alors moi dans cette nouvelle collection j'ai pris, donc comme je vous ai montré, la bague, ça c'est de la nouvelle collection, et cette bague là est de la nouvelle collection, et ça c'est une ancienne collection, parce que en toute honnêteté les boucles d'oreilles de cette nouvelle collection me plaisent pas pour mon goût personnel, donc j'ai pris une de l'ancienne collection, mais n'hésitez pas à regarder si ça vous intéresse. Donc c'est assez original ce qu'ils ont sorti, même si j'aime pas tout de cette nouvelle collection.
Donc voilà pour ces petits bijoux au Ouillard. Donc je suis toujours super contente. Hein. Voilà. Au niveau des lectures, alors je vous en ai parlé, je crois, dans une vidéo que vous avez vue jeudi. Je suis un petit peu dans une phase de lecture un peu compliquée où je lis plusieurs livres à la fois. Donc je vais pas vous montrer tous les livres que je lis à la fois, mais je vais vous montrer le livre que je viens de terminer parce que en lisant plusieurs livres à la fois, je lis quand même un livre toujours systématiquement le soir avant d'aller dormir, et j'étais sur ma liseuse et j'ai décidé de prendre ma liseuse avec pour aller bosser. Et donc hier j'ai eu des gros problèmes de train et donc j'ai eu beaucoup de temps de lire et donc j'ai pu terminer ma lecture et j'ai eu un immense immense coup de cœur, pas du tout inattendu pour le coup. J'ai lu Les ailes collées de Sophie Dobar, qui est une autrice que j'avais découverte moi il y a 2 ans avec Les corps conjugaux, qui a été un énorme coup de cœur. Je vous avais dit que j'avais sangloté en lisant ce livre, que ça avait été une superbe découverte. Et du coup, j'ai pas vu passer en fait l'info qu'elle avait sorti un nouveau livre. Et c'est en regardant sur internet, je vois tout d'un coup Sophie Dobar, Les ailes collées. Et ça fait un petit moment, je crois, qu'il est sorti. Donc moi, je l'ai pris en e-book. Voilà, question finance. C'était plus facile pour moi de le prendre en e-book. Et je l'ai lu petit à petit. Et en fait, de toutes mes lectures que je fais en ce moment, parce que je vous ai dit, je suis dans une phase où j'arrive pas à lire. J'arrive pas à me mettre dans un livre et ne pas le quitter, et vous voyez, j'ai envie de lire plein de choses et en même temps j'ai pas le temps, et c'est un peu le chaos, c'est un peu le chaos dans ma vie en ce moment, et du coup j'ai du mal à m'attacher à un livre en particulier. Et le seul livre vraiment qui était plus happant que les autres, pour lequel j'avais vraiment envie de revenir, c'était Les ailes collées de Sophie Dobar. De quoi nous parle Les ailes collées? Ça nous parle de Paul, qui est un jeune homme qui vient de se marier avec Anna. Donc on est au tout début du livre. On est donc avec ce monsieur qui est très content de son mariage. Il parle de son amour pour sa femme. Et en fait, sa femme lui a fait la surprise d'inviter des anciens amis au mariage. Et donc à un moment, elle lui dit « Ouvre les yeux, surprise !» Et donc ses amis arrivent. Et il croise le regard de son ancien ami Joseph. Et donc l'histoire, le récit va se passer dans le passé, dans les années 80, où on va rencontrer Joseph. Donc Paul va rencontrer Joseph. On va parler non seulement de la rencontre entre Paul et Joseph, mais aussi de l'enfance de Paul, son bégaiement, ses petits problèmes pour s'adapter dans sa classe. C'est le fait qu'il est passionné par le piano, par la danse, le fait que son enfance est compliquée avec ses parents, il se sent pas aimé de son père, il se sent même pas... Il a l'impression d'être un intrus dans cette famille, sa relation avec sa mère est compliquée, elle boit, et sa relation avec sa petite sœur est très, très touchante. Et on va suivre sa rencontre avec Joseph. Et Joseph... La rencontre avec ce personnage est magnifique. Leur relation va très vite changer et donc on va parler de plusieurs sujets très beaux, mais en même temps on va parler notamment de harcèlement. C'est pas dit, je pense, dans le résumé, mais je pense que c'est important de le dire parce que moi par exemple c'est un sujet qui m'est très sensible et je ne savais pas qu'on allait parler de ce sujet, donc j'étais un petit peu surprise. Et c'est vrai que si vous n'aimez pas lire des livres à ce sujet, ben, ça risque d'être un peu compliqué. C'est un livre qui m'a subjuguée de nouveau, ces mots. Je pense que les histoires d'amour de Sophie Dobar sont vraiment les plus belles que j'ai pu lire ces dernières années. Mais aussi la manière dont elle parle de la famille, des impressions des enfants qu'ils ont de leurs parents et de se rendre compte des années après que ce qu'ils ont toujours cru, c'était faux. J'aime bien, c'est pas très français, mais je pense que vous avez compris, de ces faux-semblants, de ces... les ressentiments des enfants qui vont prendre un autre tournant quand ils vont grandir, ils vont voir d'un autre regard leurs parents, je trouve ça magnifique. Mais les mots de Sophie Dobar sont d'une beauté. Je vais vous faire des extraits dans un point lecture qui va sortir bientôt. J'ai très très envie de vous en parler de ces mots. Moi je peux pas résister à un tel amour, à une telle plume.
je suis... je suis bouleversée par cette histoire. Et ensuite, donc là, je viens de lire ce livre-là. Je suis dans Célestine de Sophie Wouters, qui est une autrice belge. Moi, je l'ai acheté, ce livre, car j'étais dans une petite librairie de quartier et on m'avait dit qu'elle habitait justement le quartier, qu'elle venait souvent à cette librairie et qu'elle a écrit ce Célestine. Il paraît que Amélie Nothomb n'a pas dormi de la nuit grâce à ce livre. C'est pas ça qui me l'a fait acheter, c'est surtout qu'on suit un personnage, Célestine, qui est sur le banc des accusés au début du livre. On sait qu'elle a fait quelque chose, je pense même qu'elle a tué quelqu'un, je ne sais pas. Et on va parler du fait que cette fille est très spéciale depuis son enfance. Donc déjà, on nous dit, c'est assez marrant. La Célestine, elle avait tout de suite commencé par faire fort. Naître après le décès de ses parents, vous n'allez quand même pas me dire que c'est la façon de faire des commandes mortelles. Donc on voit tout de suite que la Célestine, voilà, ça commence bien. Et elle est élevée par une vieille tante et c'est une femme hyper bourrue, hyper cash. Ça a l'air vraiment chouette. Je suis au tout début, j'espère que ça va me plaire. Écoutez, je vais vous laisser là. Je vais fermer cette caméra. Moi, je vais devoir aller chercher un colis que je vais ouvrir devant vous et je vais vous en parler et je vais continuer mes petites lectures et continuer mes petites aventures. Et j'ai oublié de vous parler d'un truc, je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire dans ce vlog, mais je vais commencer Mrs. Mackenzie. Et en fait, qu'est-ce qu'il en est de... Où est-ce qu'il est ? Cranford ? Je sais pas où je l'ai mis. Je suis censée lire Cranford, j'étais censée lire au mois de février. Je vous avoue que j'étais pas dans le mood pour lire Cranford. Je l'ai commencé, hein, bien sûr, mais je n'étais pas dans le mood pour le parcours victorien. Il fallait donc lire un Elisabeth Gaskell. J'arrivais pas à rentrer dedans et je sais que c'était vraiment une question de moment. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais repousser Cranford. Au mois de juillet, je crois qu'on peut lire un auteur. Il n'y a pas d'auteur obligatoire au mois de juillet. Et donc, je pense que je vais lire le Cranford à ce moment-là ou à un autre moment, mais... Je pense que ce sera bien à ce moment-là de lire le livre que j'ai pas lu, du coup. Parce que je l'ai commencé, je vous avoue, j'arrive pas à rentrer dedans. Je suis pas vraiment dans le mood pour lire ce livre-là. Donc je pense vraiment que je le lirai à ce moment-là, quand je n'aurai pas de livre. Puis il n'est pas très long, donc voilà, je pense que ça devrait aller. Thank you.
Hello, je vous retrouve un peu plus tard, on est mercredi, j'ai l'air d'avoir couru parce que j'ai couru, parce que je voulais encore vous parler avant qu'il fasse noir, pourquoi est-ce que j'ai couru absolument, parce que j'aime bien dans les vlogs vous parler des lectures à chaud, et c'est un peu ça le but des vlogs, hein, c'est vous parler des lectures juste en les lisant ou après les avoir terminées, et comme je viens de terminer un roman, je me suis dit, profitons de cette lumière pour vous parler de Célestine, et je dois également vous parler du petit colis que vous avez vu. Je vais peut-être commencer par le colis. Enfin, petit, c'est pas un petit colis que j'ai reçu. Vous avez vu normalement avec des petits plans un peu musicaux l'ouverture du colis de Alice de Dessine-moi mes rêves. Vous l'avez certainement déjà vu sur la chaîne de Sève. Et en fait, j'ai été contactée par Alice il y a un petit temps, enfin il y a très peu de temps en fait, et elle m'a proposé de tester une de ses box. Je vous avoue que moi, quand je peux soutenir à ma manière, à ma petite échelle, un ou une créatrice, ça me fait fort plaisir, donc voilà, je commande souvent chez des créateurs. Tout ce qui concerne la déco autour des livres, etc., c'est des choses que j'achète moi en général chez des créateurs, même si ça coûte un peu plus cher. Je préfère investir là-dedans, c'est des choix que je fais, et du coup quand Alice m'a contactée, j'ai été hyper touchée de sa confiance, et c'est vrai que j'avais été déjà intriguée par sa boutique, et donc là elle m'a proposé une box, j'ai pu un petit peu choisir des tissus, et je vous montre un petit peu, enfin je vous ai déjà montré, mais je vous montre peut-être avec plus de détails. On a un crayon ici, on le voyait peut-être pas dans l'unboxing, mais c'est un crayon. Je pense que c'est l'article que je préfère de cette box, donc il y a des petits goodies en plus de ses créations. Dans ses créations, il y a une pochette à livres, j'ai choisi le tissu. Ça fait perfect que j'ai pu créer moi-même de pochettes à livres, donc ça me fait plaisir de soutenir des gens qui ont créé. Voilà, je la trouve très jolie, j'ai choisi ce tissu avec des feuilles d'eucalyptus parce que ma bannière est avec des feuilles d'eucalyptus, voilà. C'est très végétal, c'est ce que je préférais. Et alors on a un livre aussi dans cette box, alors elle l'a choisi parmi ma wishlist, donc je lui ai envoyé ma wishlist. Et donc j'avais, dans ma wishlist, j'avais oublié, que j'avais un pacte d'Olivier Norek, donc elle a choisi celui-là. Voilà, ensuite on a la jolie carte, je pense que je vous ai montré. On est sur une texture assez douce comme ça, je connaissais pas vraiment cette texture. Elle fait aussi des créations non seulement en tissu mais aussi papier. Vous avez vu déjà avec l'origami, mais ici je trouve le petit carnet très très soigné. Je trouve de toute façon tout ce qu'elle a créé très soigné, très délicat. Elle fait pas mal de créations autour du livre, évidemment, c'est le but. Oh là là, je sais vraiment pas présenter les choses. Alors, j'ai pu choisir aussi un marque-page. J'ai choisi un marque-page avec un élastique parce que je n'en ai qu'un et je trouve ça ultra pratique. Et c'est vrai, Sève en a beaucoup parlé aussi sur sa chaîne, mais c'est pas mal quand on voyage beaucoup, quand on est souvent dans les transports, parce que ça permet de... Enfin, vous avez compris, hein, de sceller le livre, Voilà, je pense que vous avez compris le concept, hein. Voilà, ça permet de tenir le livre comme ceci, c'est quand même plutôt pratique. Voilà, et j'ai choisi cette illustration-là que j'aimais particulièrement. Voilà, et c'est bien présenté de nouveau dans une petite encoche. Et c'est également une texture un petit peu douce comme ça. Je sais pas comment vous l'expliquer, ouais, un peu plus douce, je ne sais pas trop la matière, mais c'est très agréable au toucher. L'enfant parle du toucher des signets. J'ai reçu en petit goodies, elle a mis le paquet sur les goodies, un très joli flacon de sel de bain qui va rentrer tout de suite dans ma collection. C'est des sels de bain à la menthe et à la lavande. J'ai pas encore senti, mais j'imagine que ça sent super bon. Effectivement, ça sent super bon. Et alors, on a un petit cœur qui est attaché. Voilà, j'ai reçu la blinde de trucs, hein. C'est vraiment exagéré. J'ai reçu un petit petit autocollant où il est marqué le livre s'appelle Reviens dans le cas où je prête mon livre à quelqu'un, ce qui m'arrive souvent. mais en général, les gens le rendent, donc je pense pas que je vais utiliser ce genre de choses, mais on sait jamais. Et sinon, j'ai reçu aussi un petit porte-clés, mais je pense que je vous l'ai aussi déjà montré, avec des petits mots roulés. Je crois que c'est un petit porte-clés. Alors moi, je pense pas que je vais l'utiliser en porte-clés parce que c'est très délicat, c'est en verre. Mais je sais pas trop comment je vais l'utiliser. J'ai pas encore décidé. Alors, ce qui sent très très bon dans mon colis, c'est la petite bougie. Elle fait aussi des créations de bougies que je trouve très 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 agréable. C'est une odeur très musquée. Comme j'aime, j'ai du mal, enfin je suis assez difficile avec les odeurs et franchement ça sent super bon, j'aime beaucoup, un côté très musqué, c'est fait main et mon compagnon m'a dit, tu as reçu un mug,
Oui, parce que quand la bougie est finie, je l'utilisais comme tasse expresso ou voilà, ou je coulerais moi-même une autre bougie, mais je la trouve très jolie avec les fleurs, c'est vraiment super beau. Je sais à quel point ça prend du temps de créer des bougies et voilà, j'apprécie beaucoup le travail, le soin derrière ce colis. On a aussi des petits goodies un peu gourmands. En fait, elle a fait des sachets réutilisables. Ça, c'est pas quelque chose que je vendais sur ma boutique, mais que j'utilise. J'en ai fait quelques-uns pour moi et c'est vrai que c'est très pratique, vous savez, les sachets comme ça réutilisables. Moi, je les utilise surtout en été pour faire du thé glacé dans ma grosse gourde parce que ben, ça rentre bien dans la gourde, forcément. Et donc, c'est bien pratique. Et ici, on a une tisane qui sent méga bon. Une tisane à base de menthe, je pense. Et alors, on a aussi. Des petits cookies que mon compagnon mangera parce que je pense qu'ils ne sont pas vegan, mais ça a l'air tellement bon. Des petits cookies au chocolat et c'est toujours de créateurs français, j'ai oublié de préciser, c'est toujours voilà, des partenaires visiblement français, ferme du Chat Blanc. Oh, c'est trop mignon. Voilà. Le hic de cette commande, enfin c'est pas une commande, de ce joli coffret. C'est que la poste n'a pas été tendre avec mon colis, c'est a été envoyé via Mondial Relay. Forcément, j'habite en Belgique, le trajet est plus long et forcément les transporteurs, je pense qu'il y a plus de, il y a plus d'étapes, le colis a plus d'étapes et donc il y a plus de risques forcément de casser quelque chose. Et en fait, le mug ici est cassé. Je suis un peu triste, je vous avoue, parce que je le trouve très joli et je suis Madame Mug en plus, donc voilà. Mais voilà, je voulais quand même vous montrer parce qu'on le voit quand même. L'illustration, c'est l'illustration que j'avais choisie pour le marque-page. Et ben voilà, ça s'est cassé. Bien sûr, elle m'a dit qu'elle allait m'en renvoyer un. J'ai refusé. Mais si ça avait été une commande, évidemment, enfin voilà, sachez que le suivi derrière est vraiment très, très bien. Si jamais il vous arrive ce genre de choses, elle vous en renvoie une. Voilà. Mais c'est dommage parce que c'est vraiment une jolie tasse. Je pense honnêtement que je vais la recoller. Je vais pas l'utiliser en tasse, mais je vais l'utiliser en porte-signée. Écoutez, moi j'aime énormément ce concept de réunir différentes créations autour du livre et surtout de quelqu'un qui sait faire plein de choses en fait. Parce que visiblement, elle sait autant coudre que faire des petites créations délicates avec du papier et des bougies. Et, enfin voilà, c'est quelqu'un de très multitâche et franchement, je suis assez épatée par la qualité du coffret. Parce que tout est fin dans ses créations. J'espère que ça vous donnera peut-être envie d'aller visiter sa boutique. Ici, c'était vraiment la box lecture. Et vous pouvez fournir une wishlist si elle choisit un livre parmi votre wishlist. Et donc, ce que j'ai fait pour me forcer à ne pas acheter de livres, c'est que j'ai donné mon immense wishlist. Ce qui m'a permis pendant une semaine et demie, 2 semaines, de ne pas craquer sur des livres. Voilà. Donc voilà pour ce colis. Merci encore de tout cœur d'avoir pensé à moi. Et merci pour ce joli colis. Je suis assez épatée. Et la bougie embaume tout mon salon. Elle fait duel avec les lys qui sentent très fort dans mon salon. Alors, je viens de terminer Célestine de Sophie Wouters. Je pense que je vous en ai déjà un petit peu parlé. C'est une autrice belge qui nous propose ici un récit très court qui présente le personnage de Célestine dans les années 60. On voit que c'est une fille qui tout de suite est sur le banc des accusés puisqu'elle a, semblerait-il, assassiné quelqu'un et on se demande évidemment comment elle en est arrivée là. On a donc ouais, son enfance, la manière dont elle est vue dans son petit village campagnard, au fin fond de la Cambrousse. Voilà, c'est vraiment un livre très court qui nous présente des personnages assez haut en couleur, je trouve. Alors, on est dans une lecture aussi un petit peu poisseuse de par quelques scènes terribles qui se passent dans ce livre. Il y a 2 scènes terribles, je dois quand même vous prévenir. Moi, je m'y attendais pas du tout. Je pensais pas que ça allait être aussi sombre parce qu'il y a un côté cocasse et comique dès le début dans la manière dont c'est écrit. Donc voilà, je voulais quand même vous prévenir. Moi, j'ai retrouvé un petit peu ce que j'avais trouvé chez Cécile Coulon dans Le truc des bêtes là. Vous savez, le livre qui se passait à la ferme. Je ne sais plus comment s'appelait ce livre. Et il y a un petit peu de La vraie vie d'Adeline Dieudonné. Voilà, je retrouve un petit peu ce côté poisseux qu'il y a dans les 2 lectures dont je viens de vous parler. Sachez tout de même que si je dois choisir un des deux, je préfère largement celui-ci, Célestine, que le Après les bêtes.
demain les bêtes, bazar. Une bête au paradis, je viens de m'en souvenir. Et en toute honnêteté, hein, moi j'avais pas du tout aimé Une bête au paradis, mais j'aimais bien quand même l'ambiance un peu poisseuse et j'ai l'impression de retrouver un petit peu ça. Alors, je dois quand même dire quelque chose au niveau du style. Alors, je me permets toujours de donner un petit jugement sur le style, alors que moi-même, je n'en touche pas une. Vous n'êtes pas sur la chaîne avec le jargon le plus développé. C'est pas chez moi que vous retrouvez la meilleure syntaxe et le meilleur parler. Et à l'écrit, c'est pas tellement mieux. Voilà. Je vous dis ça parce que... parfois, je me sens un petit peu coupable à l'idée de parler du style d'un auteur alors que moi-même, je n'en touche pas une. C'est toujours un peu délicat, je trouve, pour moi. Enfin, je me sens toujours un peu non légitime de parler de la plume d'un auteur. Je me gêne pas pour le faire, mais il y a quand même toujours, quand je fais le montage, je me rends compte, Isabelle, franchement, tu te permets de juger ça, mais toi, tu sais pas faire mieux. Voilà, mais je me rends compte que, en tant que justement personne lambda, voilà, qui n'écrit pas, ou en tout cas rien du publiable, si je remarque quelque chose dans un livre, c'est que c'est flagrant. Voilà, c'est tout ça pour dire ça. Hein. Et c'est vrai que je remarque dans l'écriture de Sophie Waters que j'avais du mal à adopter cette écriture. J'utilise souvent ce terme pour parler d'une écriture. J'ai eu du mal à l'adopter et je ne l'ai jamais adoptée. Bien sûr, j'avais que 122 pages pour le faire, mais je n'ai jamais été... sensible à son écriture. Je crois que c'est parce qu'il y a pas mal de répétitions, de formulations, de manières de parler que je trouvais finalement un petit peu lourdes. Je remarque des formulations très répétitives, des choses qui reviennent souvent et qui alourdissent un petit peu le récit, des choses que j'aime bien de manière générale, mais là ça revient souvent. Par exemple, certes, un côté un petit peu froid dans l'écriture peut-être qui m'embête un peu. Notamment l'utilisation fréquente du mot « certes ». Je pense que quelqu'un qui a fait des études littéraires pourrait bien mieux que moi nommer cette manière de parler, parce que c'est une narration en fait assez froide, assez distante des personnages, sous forme un petit peu d'anecdote. Hein. On nous présente les personnages vraiment sous forme d'anecdote. Mais je pense qu'il doit y avoir un vocabulaire précis pour dire tout ça, mais moi je ne le connais pas. Et il y a quelque chose, moi, dans l'écriture que je trouvais un petit peu lourde, malheureusement. Je vous dis tout ça, mais moi c'est vraiment une lecture, je pense que je vais retenir, parce que je ne savais pas du tout où j'allais aller, c'est très sombre. Je suis un peu perturbée par cette fin. Il y a des choses qui sont dénoncées et j'aurais voulu que ce soit encore plus dénoncé. Mais franchement, ça me donne envie de lire d'autres livres de 180 éditions parce que j'ai l'impression qu'ils recherchent des histoires un peu particulières, qu'ils recherchent des plumes aussi un peu nouvelles. Je vous avoue que je suis très intriguée, je vais suivre quand même l'autrice de près, même si je ne suis pas super sensible à son style. J'ai trouvé quand même son histoire bien forte. Je me demandais où on allait aller et on a une surprise à la fin de ce récit, s'il y a un petit retournement de situation très sympathique. Donc voilà, je suis comme d'habitude pas sûre d'en avoir bien parlé, j'essaierai d'un peu approfondir mon avis dans un point lecture, puisque un point lecture est censé sortir bientôt. Mais en tout cas, j'avais envie de vous partager mon avis à chaud sur cette lecture. On va aller dormir là avec la lumière qu'il y a. Je vous retrouve certainement plus tard, demain ou après-demain, pour clôturer le vlog et vous parler peut-être d'autres lectures. Thank you.
Un petit peu plus tard pour vous parler de certaines petites choses. J'ai enfin commencé Miss Mackenzie de Anthony Trollope et je dois vous dire que je suis vraiment bien dedans. Alors la fille s'emballe alors qu'elle est à la page 32, mais je dois vous dire que pour arriver à la page 32 du Elizabeth Gaskell, c'était une autre paire de manches. Donc voilà, je pense que j'étais pas du tout dans le mood pour lire Elizabeth Gaskell au moment où je l'ai commencé, donc je pense que je le lirai au mois de juillet. Je pense que c'est un mois où on peut lire un livre pour le parcours victorien, ou alors je lirai à un autre moment, hein, c'est pas très important. Mais là, je suis tout de suite dedans, et comme je n'ai jamais lu aucun avis sur ce livre, je trouve ça très agréable de ne pas avoir ne fût-ce qu'une seule information sur ce livre. La seule chose que je sais, c'est qu'on est sur de la littérature victorienne. Donc c'est tout, en fait. J'ai juste l'époque, je sais juste que c'est l'histoire de Miss Mackenzie et qu'elle va avoir des prétendants, mais en fait, je n'en sais pas plus et c'est hyper agréable et satisfaisant comme lecture, du coup, de ne pas savoir. Voilà, ça c'est pour vous parler de ma lecture en cours. Je suis vraiment très très emballée. Page 32, je vais un peu me calmer quand même. Je suis allée dans un magasin donc, qui vend des livres, donc dans une librairie, et j'ai acheté un livre neuf. Je fais très attention avec mes achats neufs. Je pense que vous l'avez... Non, vous l'avez certainement pas remarqué, mais je fais attention quand j'achète des grands formats. C'est assez rare que j'achète des grands formats, et quand j'en achète, c'est vraiment très réfléchi. Enfin, tout est relatif, mais pour moi, en tout cas, par rapport à ma manière de consommer les livres, c'est beaucoup plus réfléchi qu'avant, où je me permettais de claquer plein de thunes dans des livres et puis me retrouver à devoir faire attention. Vous voyez ce que je veux dire? Le problème de quelqu'un de dépensier. Enfin, voilà. Maintenant, je fais beaucoup plus attention dans mes choix. Alors, j'ai toujours des pulsions d'achat, mais en général, c'est plutôt en seconde main. Et quand j'achète des livres en neuf, je fais vraiment très attention. Et donc là, j'ai craqué sur un livre neuf. Ah, je suis vraiment tentée par le résumé de ce Naomi Novik. Alors c'est marrant parce que moi j'avais l'intention de lire en hiver Déraciné de Naomi Novik. Je ne l'ai pas lu et je pense que je vais attendre l'hiver prochain parce que je trouve que c'est un truc qui convient vraiment bien pour l'hiver. Mais cette sortie-ci me tente beaucoup. Et donc ici on est sur l'éducation meurtrière de Naomi Novik. Et ce qui m'a vraiment intriguée, c'est le côté école de magie, mais version un peu trash, quoi. Donc, en gros, si tu te plantes en magie, tu meurs. Et on va suivre un personnage qui possède un pouvoir hyper puissant et une magie qui peut éventuellement tuer tous ses camarades. Je vous avoue qu'il y a quelque chose qui m'embête un peu, c'est qu'on est sur un livre qui fait 21 €, même 22 €, hein, 21,90 €. On est sur un livre qui a 300 pages, donc déjà 21 € pour 300 pages, ça m'embête un peu. Je l'ai pris parce qu'il me donnait très très envie. Hein. Et surtout, je trouve la mise en page, la qualité du livre un petit peu cheap. Voilà, c'est quelque chose d'un peu mou comme ça. Et on a, oui certes, on a une carte qui va certainement être intéressante, qui présente l'école. Mais je trouve le bazar un peu cheap. Peut-être la qualité du papier, j'en sais rien. Peut-être que c'est un choix spécial de papier. Mais moi, je trouve ça un peu cheap pour les 22 € que j'ai payés. Voilà. Si je paye 22 € dans un livre qui ne fait que 300 pages, j'aime bien qu'il soit, il faut le dire quand même, comme chez Big Bang ou chez De Saxus, avec un travail esthétique. Alors peut-être par contre que le travail de traduction est exceptionnel. On verra après lecture. C'est clair que si la traduction est exceptionnelle, je lui pardonnerai tout. Alors qu'en général, quand le livre est magnifique et que la traduction est nulle, ou bâclée, enfin, ou faite très vite, vous voyez ce que je veux dire, avec des fautes et des gros trucs que moi je remarque, eh bien ça, je pardonne moins, vous voyez, qu'un truc un peu esthétique.
Hello, je vous retrouve doucement et sûrement pour clôturer ce vlog. Je viens vous parler de certaines choses que j'ai pas eu le temps de vous dire la fois passée. J'ai fait un craquage plante que vous avez vu dans des plans. Je vous mets des petits extraits ou je vous ai mis des petits extraits des plantes que j'ai achetées. Vite fait, j'ai acheté une espèce de maranta trop bien, hyper... ouais, un truc assez rare que je connaissais pas. Et du coup, je l'ai acheté parce que je la trouve magnifique. Alors, c'est ma quatrième Maranta. J'en ai trois déjà, de trois sortes différentes. Mais écoutez, celle-là, je la trouve sublime. Donc, c'est un peu un craquage parce que c'est clairement une plante rare. Donc, voilà. Et alors, le craquage qui est assez comique. Enfin, comique, je sais pas si le mot comique correspond. Mais j'ai acheté un Philo Pink Princess. C'est une plante que vous avez déjà vue chez moi puisque il y a un an et demi, je pense, un an, j'ai craqué pour une Philo Pink Princess, à savoir que c'est pour vous dire à quel point le monde des plantes, les prix sont très fluctuants et dépendent vraiment de l'offre et la demande, hein, comme toujours, mais enfin, ça change beaucoup, quoi. Il y a beaucoup de plantes qui sont introuvables et qui sont super chères du coup, et puis qui finissent par être hyper connues et hyper vendues, même dans des magasins lambda. Et donc le Philodendron Pink Princess, pour vous dire, il y a un an et demi, la plante que je voulais acheter coûtait plus de 70 €. Je ne l'aurais pas pris à cette taille là parce que c'était vraiment une rikiki à 70 €, mais le vendeur me l'a fait à 30 € parce que justement elle n'était pas en très bon état. C'est pour ça que je l'avais achetée. Et en fait, maintenant, celle que j'ai achetée est trois fois plus grande que celle que j'avais achetée à l'époque et elle fait 11 €. Donc c'est pour vous dire un peu l'évolution des plantes. Et voilà, donc je vous ai mis ou je vous mets des petits extraits. Ensuite, je viens vous parler lecture puisque je suis en train, comme prévu, de lire Miss Mackenzie d'Anthony Trollope. Je suis quoi, à la page 50. Je passe vraiment un bon moment. Je passe un bon moment avec cette dame qui se retrouve avec un héritage du jour au lendemain. Elle a 35 ans et elle s'était faite à l'idée de vivre chichement et de pas se marier ni quoi que ce soit. Sauf qu'elle se retrouve avec un héritage et donc elle a envie de profiter de sa vie. Et voilà, on voit un petit peu, elle va déménager, elle va aller à Little Bath avec sa nièce. Et on voit déjà les petites critiques de société, les petites critiques entre femmes. Enfin, c'est particulier. Alors, il y a quelque chose qui me perturbe un peu dans la traduction. Il y a un mot qui revient souvent, c'est le mot mâle et femelle. Et c'est marrant parce que c'est bien sûr une traduction, et je sais qu'en anglais female and male c'est souvent utilisé, mais mâle et femelle en français c'est quand même des mots que je vois que pour des animaux, quoi. Voilà, et donc c'est bizarre de voir à chaque fois quand on parle des stem fold, je crois que c'est les pasteurs ou c'est les... Bon, c'est pas des prêtres, hein, c'est des pasteurs. La famille, donc le monsieur s'appelle Stumfold et on nous dit c'est Stumfold mâle ou femelle, et ça me fait vraiment bizarre parce que c'est la cinquième fois que je vois l'utilisation de ce mot. Je trouve ça un peu particulier. Voilà, seule chose que je voulais dire. Sinon je passe un bon moment, et alors je suis allée chez Pêle-Mêle parce que j'aimerais me procurer la lecture d'avril, puisqu'on est en avril, on est 2 avril, j'aimerais me procurer la lecture d'avril qui est Middlemarch. Enfin, il faut lire un George Eliot et moi j'ai envie de lire Middlemarch depuis très longtemps. Désolée pour le changement violent de luminosité, je pense qu'il y aura potentiellement du bruit sur cette image, mais tant pis, voilà, c'est la seule chose que je peux faire et je dois absolument clôturer ce vlog aujourd'hui. Donc je disais que je n'arrive pas à trouver le livre Middlemarch en seconde main, je n'arrive pas à le trouver. Et j'ai vu que sur Momox par exemple il était à 12 € et je trouve ça un peu 12 € pour un livre qui en fait 14 quand il est neuf. Je pense du coup que je vais finir par craquer dessus quand neuf. Je vais finir par craquer dessus neuf parce que ben voilà, tant pis, j'avais pas envie de dépenser 14 € pour ce livre là, mais tant pis. Je le ferai. Après tout, c'est un livre qui fait plus de 1000 pages, donc le moment de lecture, le temps de lecture sera bien long. Mais je suis allée, toujours est-il que je suis quand même allée chez Pêle-Mêle pour trouver ce livre-là. J'ai trouvé d'autres choses, j'ai trouvé un Yoko Ogawa que je n'avais pas. Je commence à agrandir ma collection. Donc ici c'est une Ryoko qui dit qu'à la mort de son compagnon, elle réalise qu'elle ne sait rien de lui. Et en fait c'est un scientifique qui a laissé des disquettes avec visiblement des enregistrements. Et donc elle va découvrir des choses sur lui. J'ai découvert, j'ai acheté Briseis. Alors c'est marrant parce que je l'ai vu récemment sur un site et j'avais envie de craquer, mais bon, c'est un livre à 20 €, je sais pas trop ce que ça donne. Et donc en fait chez Pêle-Mêle je l'ai vu à quoi, 4 €. Donc bon, le dos est un peu cassé, il y avait les 3 tomes, j'ai pris que le 1, j'espère que si j'aime bien ils seront encore là les 2 et 3.
Je vous avoue, je sais pas trop. Je suis une citadelle intemporelle. Je sais pas trop ce que ça donne. Oui, j'ai pris Steak Lisse de Inès Bayard. Je vous en avais parlé dans une vidéo vlog dans laquelle je vous parlais des sorties du mois de janvier ou de février, je ne sais plus. Et j'avais très envie de lire celui-là. Donc c'est l'histoire en fait d'un couple. L'histoire de Lenny et Ivan qui vivent dans le quartier de Steglitz à Berlin. Et un jour, un lieutenant mène une enquête de voisinage et il parle de coups de feu. Et enfin, je sais pas trop ce que ça va donner. C'est elle qui avait écrit Les Malheurs du Bas. J'avais bien aimé cette lecture. Il me semble que c'était un peu très ressemblant avec un livre de Mathieu Ménégo. Mais j'avais quand même aimé l'histoire. Donc voilà, je suis très intriguée et ça m'a pas coûté trop cher ces livres. Celui-là, c'est peut-être le plus cher, c'était autour de 7 euros. Mais bon, voilà, j'espère qu'il me plaira parce que ça fait un moment que j'ai envie de le lire. Et maintenant, je suis en train de me dire que peut-être que je pourrais prendre Middlemarch en e-book. Est-ce qu'il est peut-être libre de droit? J'ai un peu regardé en fait maintenant que j'y pense. Peut-être qu'il coûte quoi, 3 euros, un truc comme ça. Oh, je viens d'y penser. Bon, bref. Écoutez, je vais clôturer ce vlog, j'espère de tout cœur qu'il vous aura plu, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo qui sera à mon avis des recommandations de printemps, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt, j'espère que je vais pas oublier de dire des choses, mais je ne pense pas. Ciao !